Attendez, on va mettre Dalin là-bas. Voilà. Moi, je me mets là-bas. Ah, mais attendez, il se prend toujours autour de 100 dégâts. Donc, du coup, ce qu'il faudrait faire, ça serait repos, activer le piège et re-repos. C'est pas con. C'est pas con, on va essayer, on va voir si c'est la bonne stratégie. Ah, mais je suis à 106! Ah, je m'en souvenais plus! Ah, je suis tellement bourrin. Déjà, à partir de 100 points de vie, je peux dire que je suis presque immortel. Voilà. Oui, Quoi? Non, je crois que ce soit pour moi. tais-toi. Quoi? Ah, c'est moi qui me. C'est moi qui meurs! Ah, 106 piles! Ah, je suis déçu. Puis j'ai énormément de potions qu'il faudrait que j'utilise un jour. Je pense que je vais aller les revendre, les potions. On va y arriver. Je vous assure qu'on va y arriver. Peut-être que si je fais quelques pas et que je reviens à la RNG des dégâts, elle va changer. Voilà. Paf, qu'est-ce que je disais? Il reste plus que 14 points de vie à Dalin. Oh, cape de projection. Oh. Ça pèse combien? Ça pèse? Ça pèse 3. Mais c'est très très beau. Allez, paf. Et maintenant on se repose pendant que Dalin récupère toute sa vie. Tiens, bah. Non, on va annuler, on va utiliser la trousse de secours. On va sortir au plus. Plus 22? Ah, je suis un peu déçu. Eh bah. Ah, je ne peux pas l'ouvrir pendant que je me repose. C'est tellement bien fait, regardez. Ah là là, qu'est-ce qu'on s'amuse! Non, c'était pas là. C'était pas ça. C'est où que j'avais mis mes dizaines de milliards de soins? Oh, tellement de bordel. Allez, là c'est la bonne. Petite sauvegarde, on remet la carte. Et on va s'attaquer à la fin. À la fin. Et puis voilà. Donc là, techniquement, c'est le grand méchant, méchant. Qui devrait. Bah non, c'est les zombies. Alors là, c'est les zombies et là, c'est le méchant méchant. C'est le méchant méchant, il faut y aller. Allez. Ah! Non! Allez, voilà! Allez! Toi contre moi, 1v1, tu t'es mis une armure de combien? 126! Non mais. Dalin, il s'occupe du reste. Non, mais. Espèce de sac. Voilà. Détruit son armure. Non, ton attaque n'est pas sans effet, c'est son arme. Il se déplace, des post-strats. Dalin, il en a bientôt fini, il reste de petites merdes. Déplacement réduit, rien à faire. Dalin, il a bientôt terminé avec un seigneur zombie. Ah, j'aime pas ce sort. Oh! Sort réduit, attaque réduite, dégâts réduits, jet de sauvegarde. Oh! Oui! Oh, j'en veux plus. Prendre une potion. Allez. Ah oui! Ah oui! Ah, le décès, le double décès, mon gars. Bon, alors, on va changer de stratégie, ouais. On va changer. On va boire des potions. Parce qu'on n'en boit pas assez. Utiliser la potion. Utiliser. Grâce féline. Utiliser potion d'invisibilité. Utiliser la potion de peau d'écorce.
utiliser potion de ruse de renard. Non, j'ai déjà. Et potion d'endurance. Je suis techniquement ultra pété. Techniquement. Donc je devrais pouvoir m'en sortir. Dalin, t'occupes de tout le monde, moi je m'occupe d'autres cons. La première sauvegarde. Ah mais il a... Ah il génère des armures. Oh non, je me suis pris un DBT. Ah ah. Oh, heureusement que j'ai ma capacité d'armure qui a monté jusqu'à combien, je ne sais pas. Allez. Allez, DBT, tu arrêtes maintenant. Oh oui, Dalin. Dalin qui rejoint. Dalin qui rejoint, ça c'est cool. Bon, j'aimerais bien... Ah mais je suis hébété, je vais pendant combien de temps en fait là? Parce que je vais un peu crever. Et puis Dalin aussi. Ah mais c'est quoi ce sort? Bon alors ça n'avance, quand ça n'avance pas, ça ne veut pas avancer, ça m'énerve. Paralysé. Mais oui. Mais encore. Le MDR, je suis toujours paralysé. Ah. Bon, j'attends de voir jusqu'à quand je suis paralysé, moi. Non, mais derrière, il se prend les 61, il va bien. Il le vit bien. Ah, je suis mort! Ça commence à m'énerver d'être paralysé par contre. On va trouver une solution. Allez. Ah, frère Thoras, c'est mort. Merci, Dalin. Ah, ça m'énerve. Bon, on attend. Ça y est, je suis libre. Non, parce que j'étais parti épicer. Voilà. Ma vie, c'est génial, n'est-ce pas? Ah, attention, j'aurais coupé au montage. C'est chiant. C'est extrêmement chiant, ce genre de sort. Mais non, on a fait un petit, petit donjon. On a fini. On va aller remonter après. Ah, puis mes boosts... Ah bah oui, mes boosts sont limités dans le sang. Ah oui, alors il y a son drop. Il y a son drop. Je veux son drop. Son drop. Oui. Non, pas de... Dégage. Le drop de machin mes couilles des arcanes. Oh, traité de la... Oh. Ce lourd grimoire en triste état est une est marqué d'une ancienne rune qui signifie vie. Le passage le plus intéressant est le suivant. Si on protège leur essence à l'aide du sort endurance aux énergies destructives, une baie des marais peut être combinée à un cristal de quartz. La puissante essence magique qui résulte de cette fusion peut ensuite être utilisée pour créer un anneau magique. Alors, si l'on protège leur essence à l'aide du sort endurance aux énergies destructives, une baie des marais peut être combinée avec un cristal de quartz. La puissante
Ah, c'est du craft. Ah, écoute, je vais le prendre au cas où, hein. Moi, je suis pas très craft, hein. Je ne suis pas non plus Minecraft. MDR, pouce bleu, pour cette blague nulle. Et ben voilà. Et ben, petit donjon. Du coup, on va ressortir en marchant. Alors, petit donjon chiant, par contre. Parce que masse de zombies, d'un qui aggro à des kilomètres, c'était pas cool. Hein, je tiens à le dire, c'est pas cool d'un. Alors par contre, je pense que je vais arrêter d'enregistrer à ce niveau. Je ne sais pas combien de temps avec le montage la session va durer. Je pense à un petit 3 quarts d'heure. Ce qui est ma foi peu. Pour ce que je pensais faire et mettre sur ce que je pensais mettre comme contenu. Peut-être je referai une autre petite session en vitesse. Et là, j'ai pour vous dire, ça fait une petite heure. Pour vous, ça fera moins avec les cuts et tout. Et il fait nuit. Attends, est-ce que j'ai un baie des marais? Est-ce que déjà, est-ce que j'ai une baie des marais? Parce que c'est la question. J'ai un cristal de quartz, j'en suis sûr. Mais alors, une baie des marais. Est-ce que j'ai un sort destruction et un sort. Location, silence. Énergie au dé. Ah, endurance au neige. Ah, bah attendez, je peux faire un craft. Regarde, il est passé où? Un cristal de quartz peut-être converti avec une baie des marais. Bah attendez, j'ai un cristal de quartz, j'ai une baie des marais. On va voir si ça marche. La baie des marais, elle doit se trouver par là. Normalement, il me semble qu'il y a un arbuste par là. Je suis pas fou, je sais qu'il y en a un. Je sais qu'il y en a une même. Elle est où? Elle est où? Elle est là. On va faire un petit craft en bonus. Tiens, on va voir si ça marche vraiment. B démarrer. Et normalement, j'ai un cristal de quartz qui doit traîner. Alors, ça traîne pas ici. Ça. Oh putain, un morceau de quartz. Parfait. Donc, on va les mettre et on va tout mettre là. Et là, B démarrer ici. Donc, si je relis son traité. Alors, si on protège une récence magique à l'aide. À l'aide du sort, endurance et énergie destructive, une baie des marais peut être combinée à un cristal de quartz. La puissance énergie 15 de cette façon. Ok. Donc maintenant, trouver comment qu'on fait la fusion. Donc il faut mettre la baie des marais à terre. Voilà. Ensuite, il faut utiliser le sort sur la baie des marais. Ça marche pas. Là, l'MDR, ça marche pas. On va trouver, je vais trouver. Ah, peut-être qu'il faut que j'aille dans un bras zéro et c'est chiant. Je pense qu'il faut que j'aille dans un bras zéro, ouais. Donc du coup, je vais retourner voir l'autre là. Peut-être qu'il a quelque chose à me dire. Dès que je trouve un bras zéro, je vais essayer cette combinaison. Et ce sera cool. Bonne journée. Ah, mais c'est avec ça que parle mon grand-père. Pour moi, on dirait vivre de cuir tout et laver les chaussettes. Eltora, qu'elle s'appelait De Porliast. Eldora. Eldora. Et ben, on va retourner. Ben, je vais chercher Eldora et je vous reprends bah, dès que possible parce que je ne sais plus où elle est. Voilà. À tout de suite.
C'est bon, je l'ai trouvé, c'était juste sur la carte. Je suis un peu con. Elle toi. Parfait. Perfect. Soyez le bienvenu dans mon échange, comme j'aime à le dire. J'ai besoin d'enseignements. Bon d'accord, au revoir. Soyez le bienvenu dans mon échoppe, comme j'aime à le dire. Ah tiens. Ah mais j'en ai combien? Attendez, j'ai récupéré combien de trucs là? What? Comment ça se fait que j'en ai autant? J'ai pas compris, comment ça se fait que j'en avais autant? What? Ah d'accord. Ok. Donc si ah mais donc je peux crafter. Ah mais je viens de comprendre. Donc c'est dans cet endroit que je peux crafter des trucs. Mais c'est cool. Putain mais en fait j'y suis allé comme un con mais m'en foutais royalement. Donc Attendez parce que là je peux essayer de faire de la magie. Enfin du craftage. Donc en fait ce coffre est pas là pour rien. C'est un coffre pour crafter. Donc, la bibliothèque. Ah ah! Une baie démarrée et une glande à soie Delta Cap lancée éclair. Waouh, mais ça, alors ça, je l'ai pas. Une flange de skate, un morceau de cristal, armure de mage, je l'ai pas. Une baie démarrée, un morceau de quartz, ça, je vais le lancer. Et une glande de soie Delta Cap et une flange. D'accord, donc on va essayer le premier. Donc, dans ce coffre, je mets. Ça et ça, voilà, et je lance mon sort de alors merde, faut juste que je remette dans le bon truc. Ouvrir, voilà, ça, paf, utiliser sur le coffre. Voilà, je lis mon sort et j'obtiens. Un anneau mystérieux mystique que l'on ne sait pas ce que c'est mais que l'on découvre, que l'on va découvrir bien plus tard sans doute au début du prochain épisode. Et donc c'est à ça que ça sert, putain mais c'est trop cool en fait. Très bien, bah une petite quête annexe en plus et puis c'est cool. Sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette session jusqu'au bout en espérant que ça vous ait plu. Si c'est le cas n'oubliez pas comme d'habitude, tout ce qui est like, commentaire, les partages, de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, de me suivre sur Twitter, oh bah salut ça, hein. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour Neverwinter Nights.